Sí. Salut à tous les amis, salut à tous, salut à tous, salut à tous. 200 grammes, 240 grammes de bonbons pour 4,80 €. C'est de l'arnaque. Je m'attendais pas à ce prix-là. C'est de la cam que vous vendez là, quoi? C'est de la cam que vous vendez ou c'est des bonbons, putain de merde? Je vais à Auchan, j'ai 300 grammes pour 1 € et quelques. Là, faut arrêter, parce que je les ai pris, parce que c'était trop tard. Elle les a pesés et tout, mais je voulais les remettre dans la boîte. Hein. Ah, la gloops là, Auchan là. Wallah, je mets plus les pieds là-bas. C'est fini. C'est la dernière fois de ma vie que je mets les pieds là-bas. 4,80 €, 240 grammes. Les 100 grammes, 2 € les 100 grammes, bordel de merde. C'est du luxe, hein, bordel. C'est vrai. C'est des bonbons qu'on trouve pas dans le commerce. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, faut pas. C'est le. Regardez, regarde ce que j'ai eu. Regardez ce que j'ai eu pour 5 €. Quasiment 5 €. J'ai eu que ça. Une poignée, quoi. Une poignée pour 5 €. Ah, faut arrêter. Faut arrêter quand même. Tout simplement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais quelque chose,
Eh ben, ça me réussit pas, tout simplement. Ça me réussit pas. Donc, faire des vidéos en solo, eh ben, ça sera que ça. Voilà. J'ai fait un bon geste. Voilà, j'ai fait un bon geste. Bref, j'ai pas envie de m'attarder sur ce détail-là. Je suis youtubeur, je fais des vidéos YouTube. Et quand je fais un vidéoman, je fais une vidéo de mon parcours. Je marche. Voilà, c'est la tradition dans mes vidéos. Et voilà, bref, on m'a fait un petit chipotage pour rien du tout, quoi. Je sais pas, j'ai été correct, je trouve que j'ai été correct. J'ai donné. Bref. Ça, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être de ma faute. C'est de ma faute. À chaque fois que je fais quelque chose, ça me réussit pas. Voilà, ça me réussit pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être quelqu'un de parfait. Mais bon, voilà quoi, j'essaye de. Voilà, des DVD, même des gens de ma famille, peut-être je ne leur ai même pas donné à eux, pour vous dire. Voilà. Voilà, tout simplement, je sais pas. Je sais pas. Pas grave, j'ai quasiment pas fait, pour vous dire, dans la vidéo de la bouquinerie du Sard, j'ai quasiment pas fait de coupe. Mais je continuerai à aller là-bas. Je continuerai à aller là-bas. Parce qu'il y a des bons films, et il y a des bons livres, etc. C'est une bonne enseigne, voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais voilà. En fait, je me rends compte que peut-être que j'aurais dû pas faire la vidéo. Façon, que j'aurais fait la vidéo ou pas, la bouquinerie du Sar, c'est des gens qui sont connus. Donc, voilà, quoi. Tout simplement. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai aimé cette vidéo et j'ai vraiment passé un bon moment avec la personne, voilà. Tout simplement. Elle m'a accueilli d'une belle façon. Et si j'ai fait quelque chose, je sais pas, je sais pas, j'ai rien fait, bien évidemment, mais si peut-être j'ai fait un geste mal placé ou je sais pas quoi, ben je m'en excuse, voilà, tout simplement. Tout simplement. Vous savez, j'ai 32 ans et j'arrive à un âge, j'ai 33 ans, j'arrive à un âge où j'ai besoin de stabilité dans ma vie, plein de choses, quoi. Voilà, tout simplement, tout simplement. Mais voilà, ça partait d'un bon geste, cette vidéo que j'ai fait, j'ai adoré la faire, j'ai adoré la faire, mais bon, apparemment, ça n'a pas plu. Donc, j'ai fait un remontage complet de la vidéo. Voilà, j'ai fait un montage, j'ai refait un remontage et je vais la remettre, bien évidemment. Et voilà. Déjà, pour un, ça donne de la visibilité. Et de deux, quand je fais un parcours de chez moi jusque partout, j'aime bien filmer les endroits que je vais en musique. Tout simplement, tout simplement. Bien évidemment. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vous laisse. Salut à tous les amis. Salut à tous. Salut à tous. Un peu trop de lumière à mon goût. Salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Good night. Bonjour. Bonjour. Good morning. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bébé. Oh non, 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 beau petit bébé. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce petit chat. Il m'a fait une peur bleue hier. De 4 h du matin à 21 h, il n'est pas rentré. Il m'a fait peur. Baba. T'es mon seul ami qui ne trahira jamais, c'est toi. Toi, jamais tu peux me trahir. Jamais. T'as jamais de mauvaises intentions envers moi et jamais tu pourras me trahir. Jamais. Jamais. Je suis convaincu. Je l'ai récupéré vers le mois d'octobre ou novembre 2020. Quasiment un an et demi qu'il est avec moi. Qu'est-ce que ça passe vite?
Je te rappelle la première fois qu'on s'est vu. Tu restais en bas devant le bloc tout le temps. Tu venais vers moi, hein? Miaou, miaou, hein? En cherchant quelqu'un qui peut t'adopter. Et moi, je t'ai adopté. Et je suis heureux que tu sois avec moi depuis 1 an et demi. Voilà, je vais commencer le vidéoman. Voilà, je vais commencer le vidéoman. Voilà. Voilà. Je vais commencer par deux, trois achats que j'ai fait à la bouquinerie du Sart ce matin. Oh, voilà. J'ai fait ça à la bouquinerie du Sart. Un steelbook de Fast and Furious pour 3 euros. Le problème, c'est qu'il est niqué. Il est niqué. La boîte, elle est vraiment niquée, là. J'arrive même pas. Regarde, j'ouvre. Alors, regarde, elle est. Regarde. Alors, elle tient plus, quoi. Je sais pas si on peut réparer les steelbooks, si ça se répare. J'ai enfoncé dessus, mais bon, il est niqué à partir de là. Mais bon, attention. 3 euros, c'est normal. Hein. 3 euros, j'en ai rien à foutre qui est niqué un peu. Je vais essayer de rafistoler avec. Pour 3 euros, tu vas pas t'attendre à du luxe, ça c'est sûr et certain. Et c'est vraiment un bon prix. C'est un bon prix. Il faut que j'essaye de redresser ou c'est le steelbook qui est niqué, je sais pas. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Fast and Furious, c'est sorti en 2012. J'ai flashé dessus. J'ai flashé dessus, j'ai l'édition normale. Mais j'ai flashé dessus, je sais pas pourquoi. J'ai flashé dessus. Inglourious Basterds en steelbook aussi. J'ai aussi flashé dessus. J'ai flashé dessus, je l'ai pris direct. Bon, il y a un peu griffé là, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas un perfectionniste du steelbook. S'il y a un peu griffé et que je l'ai eu pour 3 euros, j'en ai rien à foutre, quoi. Le CD, il est nickel. Voilà, il est nickel le CD. Inglourious Basterds de Tarantino. C'est un bon film. C'est pas le meilleur des Tarantino, mais ça reste potable. Ça reste potable. Ça reste vraiment potable. Et je suis content de l'avoir rentré dans ma collection. Et je suis content d'avoir été à la bouquinerie du Sart. Voilà, malgré que, voilà, peut-être que ma vidéo n'a peut-être pas plu. J'adore quand même y aller dans cet endroit-là parce que c'est tranquille, c'est. Je sais pas comment qualifier cet endroit-là, la bouquinerie du Sart. Voilà. Inglourious Basterds avec Brad Pitt et toute la clique, Diane Kruger, Michael Fassbender, etc. Ben aujourd'hui, après, je vais aller voir je vais prendre ma douche. Et après, je vais aller voir les messages pour voir si Marilyn, elle m'a envoyé des messages aujourd'hui. Peut-être qu'elle doit s'inquiéter pour moi, comme je n'ai pas donné de signe de vie depuis hier. Et je lui ai mis trois films de côté. Je lui ai mis Jumeaux. Je lui ai mis Les Tortues Ninja 2. Je cherche la trilogie. Je la cherche. Je les ai en copie, mais je la cherche. Mais en parlant de ça, j'en dis pas plus. Et un troisième film à Marilyn. Alors, j'avais dit quoi? Tortue Ninja, Jumeaux. Et le troisième film, putain, ça me saute toujours à la tête. Hein. Je les ai mis de côté pour elle. Je me rappelle plus le troisième film, je me rappelle plus. Bref. Et le troisième achat pour 2 euros à la bouquinerie du Sart. Voilà. Il y a nickel chrome le DVD. Moi, ce que j'aime bien à la bouquinerie du Sart, c'est des DVD nickel chrome. Et même moi, je leur ai donné les 30 DVD que je leur ai donné, la plupart, ils sont nickel chrome. Il y a peut-être 2-3 films de merde que j'ai donné. Mais tout ce que j'ai donné dans les 30 DVD, c'était des bons films. C'était pas de la merde. Voilà. 3h10 pour Yuma, avec Christian Bale. Très très bon film. Très 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 bon film. Très très bon film.
J'ai trouvé à la bouquinerie du Sar. Malheureusement, le DVD est défectueux. On a de la version française 2.0 en stéréo, on a du 5.1 et on a aussi du DTS. Que demander de plus? Je vais me faire une joie de le revoir. Moi, j'aime bien Ben Foster dans ce film-là. Malheureusement, voilà. J'avais vu que les gardiens du cinéma y avaient acheté l'import belge. Le gardien du cinéma a acheté l'import belge. Mais c'est une VFQ. Mais bon, comme lui, il regarde ses films en VO, il s'en fout que c'est une VFQ. Mais je tiens à signaler l'import belge de chez Dutch Filmworks et une VFQ. Voilà, c'est pas la voix de Mark Alfoss sur Russell Crowe. Et je me rappelle plus Christian Bale, il est doublé par qui dans ce film-là. Mais si je sais que c'est Mark Alfoss qui. Je crois que c'est l'un des derniers doublages de Mark Alfoss qui était la voix de Russell Crowe dans Gladiator. Il est décédé en 2011-2012. Et il y avait aussi doublé Ron Perlman dans les Sons of Anarchy. Mark Alfoss, un grand du doublage. Hein. Gladiator. Il a doublé. Parce que Russell Crowe, par la suite, il a été doublé par Patrice Bethune. Mais par exemple dans Broken City avec Mark Wahlberg. Mais Patrick Bethune est aussi mort. Et la troisième voix de Russell Crowe, c'est Emmanuel Giacomi, qui est le doubleur de Denzel Washington et Forest Whitaker. Ben, c'est lui la voix attitrée pour l'instant, comme par exemple dans le film Enragé, dans Elle est confidentielle, dans plein de films. Giacomi, ça me dérange strictement pas qu'il soit le doubleur de Russell Crowe. Voilà. Après Patrice Bethune, je trouve que ça ne lui allait pas. Mais Mark Alfoss et Giacomi, ça marche impeccable. Et voilà, comme dans la série Son of Anarchy, Ron Perlman a dû être doublé par Giacomi parce que il fallait un autre doubleur parce que Mark Alfoss était décédé en plein milieu de la saison. Et voilà, d'une voix à une autre, c'est vrai que voilà, Ron Perlman, ça allait très bien sur Mark Alfoss. Hein. Mark Alfoss, ça allait très bien sur Ron Perlman. Il avait fait la série Désolation, que je cherche, d'après le roman de Stephen King, je le cherche. Voilà, Désolation, même en DVD, je le cherche. Je crois que ça, c'est Ralph Blu-ray qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, donc je me suis fait une joie de les acheter. J'espère qu'il n'y a pas un troisième, quoi. La nouvelle génération des Ninja Turtles, voilà, produit par Michael Bay, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, je crois que c'est le deuxième ou le premier. Ah ouais, ça date de 2004, déjà 10 piges bientôt, quoi. Voilà, les deux Ninja Turtles, Ninja Turtles 1 et 2 pour 15 euros. Je vais me faire une joie de replonger dedans parce que je me rappelle plus du tout de ces films-là. Je me rappelle plus de ces films. J'avais vu le premier, mais pas le deuxième. Le deuxième, il date de 2016. Je vais essayer de ralentir la cadence. Et tout ça vient du cache de Rank. Voilà. Ah non! Encore un film, pardon, qui vient d'Auchanlers. Le corps est chargé, well, pour 1,99. Voilà, très très bon film. Très 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 bon film. Très très bon film. Voilà. Très très bon film. Très très bon film. Le corps Richard Jewell avec Sam Rockwell, etc. Bon, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai le DVD, les Blu-ray, mais j'ai pas envie de le déballer, donc je vais regarder le DVD. Et j'ai entendu que Ralph Blu-ray, il avait dit que c'était un putain de film. Donc voilà, pour 2 euros, je l'ai pris alors que je l'ai en Blu-ray. Mais bon, je l'ai même en DVD copie, moi. Mais bon, pour 2 euros, vraiment, c'est un film très récent. Ça date de 2020. Hein. C'est très récent pour 2 euros. Vraiment, ça vaut le coup. En plus, sous blister. Voilà. Robocop. La trilogie Robocop. Tout ça vient du cash. Voilà. Pour 8 euros. Voilà, en DVD, pas en Blu-ray. Mais bon, je me rappelle que le gardien du cinéma, il avait dit qu'il avait touché à 10 euros le coffret Blu-ray. Donc, j'ai payé un peu cher, mais je vais vous dire une petite anecdote. Ça va vous faire rire. Voilà, le coffret Robocop. Très, très beau coffret. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Très, très bon coffret. Film culte. Hein, je parle du premier. Film culte. Film culte, le premier Robocop. Film culte, film culte. Voilà, les trois films sont présentés comme ça. Bon, les boîtes en carton, c'est vraiment très, 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 très,
On va voir les temps des disques. Hein. Ah, impeccable, nickel. Bon, il y en a plein qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé le 2 et le 3. Moi, j'adore la trilogie. Moi, j'aime bien celui avec le Nuck, là, qui est joué par celui qui a joué dans le sixième sens, Tom Noonan. Tom Noonan, qui avait joué dans le sixième sens de Michael Mann. Justement, lui, je le cherche aussi en Blu-ray, Manhunter. Je le cherche en Blu-ray, je le cherche, Manhunter de Michael Mann. Ça fracasse, je crois que c'est la musique, c'est Tangerine Dream, je crois, si je me trompe pas, comme d'hab. C'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est encore mieux que la version d'Anthony Hopkins, hein, bien évidemment. J'avais vu Ralph Blu-ray qu'il avait dans sa collection, et voilà, je suis content pour lui, mais moi, il faut que je me l'offre, il me le faut. Le Manhunter de Michael Mann. 12 minutes. Voilà, le coffret Robocop pour 8 euros. En fait, hier, le mec, il a dû me voir. Hein. Il m'a vu dans la caméra hier. Hein. Il m'a vu. Il m'a regardé. Il m'a regardé hier. Il m'a regardé hier dans la caméra. Et il a vu que je l'ai reposé. Parce qu'il y a un moment, j'ai dit, oh putain, 10 euros, ça fait trop cher. C'est trop cher, 10 euros. Il a vu que je l'ai reposé. Et aujourd'hui, je passe. Il a au-dessus de l'étiquette 2 euros, 10 euros, il a mis 8. J'ai 8, je le prends, allez. Peut-être si je serais revenu dans quelques jours, il l'aurait peut-être mis à 5. Ouais, bah ouais, c'est un coffret. C'est un beau coffret. Bon, je sais pas combien ça vaut, mais bon, 8 euros, c'est raisonnable. Il y a un beau travail qui a été fait dessus. Et voilà, quoi. Il y a un beau matos qui a été fait dessus. Il y a un très beau travail qui a été fait dessus. Voilà, très, très beau travail. Voilà, les coffrets, c'est normal. Ça coûte de l'argent, c'est normal. Ça coûte plus cher que les DVD séparés. J'ai même entendu chez Caramello Mike. Ça, c'est un repackeur aussi, comme Spitfire, qui avait dit que sur le DVD, c'était le redoublage ou je sais pas quoi. Il s'est retapé un remontage avec la version intégrale. Je sais pas, j'ai mal compris son truc, mais bon, c'est pas grave. Nancy Allen. Nancy Allen dans les Robocop, ça, c'est incroyable. Et même la façon dont Peter Weller se fait tuer, c'est vraiment très, très choquant pour l'époque. Hein. Maintenant, c'est du pipi chaud. Mais à l'époque, la censure était vraiment adonf. Hein. Voilà, la censure sur les films était adonf. Voilà. Le Robocop. Alors là, 5 pour 2 euros. Voilà, dans le cash, 5 pour 2 euros, c'est une affaire. Hein. Voilà. Je trouve que. Après, moi, je connais un autre endroit que j'en ai 25 pour 5 euros. Donc, voilà, mais bon, c'est en Belgique, c'est pas ici. Et voilà, quoi. Et voilà, on tombe pas tout le temps sur des bons films, mais bon. L'aventure, c'est l'aventure. 5 pour 2 euros. Hein. 99 centimes le film, mais 5 pour 2 euros. L'aventure, c'est l'aventure avec Lino Ventura et Jacques Brel, réalisé par Claude Lelouch. Voilà, Claude Lelouch, je sais pas s'il il est tout neuf. Le synopsis m'a vraiment fait. Paris 1972, dans le cadre d'un festival de genre, hold-up, règlement de compte, attaque se succède. On ne croirait revenu au temps du Chicago je sais pas, ça a l'air d'être un thriller là. Je vois Jacques Brel et Lino Ventura. On parle de prostituées, on parle de plein de choses. Ça doit être un film bien bourrin, ça. Je sais pas, je connais pas. Mais bon, ça date de quelle année, ça? 72, hein, déjà 50 piges. Voilà, c'est un truc de fou, hein. On les retrouve en semi-retraite en Afrique, un nouveau coup à faire. Oh, ça doit être du bon. Hein. Johnny Hallyday, etc. Charles Renard. Ah, Charles Gérard, pardon. Voilà. L'aventure, c'est l'aventure. Le Green Inferno, qui date déjà de presque 10 ans. Ça va trop vite. Ah, sélection officielle en 2015. Mais bon, c'est sorti en 2013, hein. Je vois que c'est marqué derrière. Le Green Inferno avec la deuxième meuf qui avait joué dans Knock Knock. Voilà, c'est pas De Armas, c'est la deuxième. Et même elle, je la trouve jolie, hein. Je la trouve très très jolie, très mignonne. Hein. Très très mignonne. Après moi, bah, il est tout neuf. Après moi, je suis déçu, c'est que c'est un boîtier slim. Voilà, c'est ça qui m'a déçu, quoi.
Mais à part ça, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est un boîtier slim. C'est pas grave. The Green Inferno. Je m'occuperai d'enlever les étiquettes tout à l'heure de Eli Ross. Eli Ross qui nous avait fait Hostel et Cabin Fever. Voilà. Je sais qu'en cinéma, il met ses boîtiers. Il met ses télécassettes dans des boîtiers slim. Les nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts. Tout neuf, tout neuf, tout neuf, tout neuf. 5 pour 2 euros, c'est raisonnable. Voilà. Vous avez vu, dans un magasin à un autre, les prix sont différents. Moi, je fouille partout. Je vais partout, même jusqu'au fin fond de la Belgique, s'il faut. Je vais partout. Voilà, le cinéma, c'est ma passion. Le cinéma, c'est ma vie. Aussi, c'est ma vie. J'ai passé ma vie dans le cinéma. On va pas dire que ça remplace une femme, mais voilà, les connaissances que j'ai acquises dans le cinéma, ben c'est avec le temps que j'ai passé dedans, tout simplement. Les nuits avec mon ennemi, très beau synopsis, avec un mari très violent qui fout la merde à Julia Roberts et après elle se fait passer pour morte, elle change de nom. Le plus dangereux qu'elle, l'homme que elle a changé son nom, elle change son look, sa vie pour échapper à l'homme le plus dangereux qu'elle ait connu, son mari. Alors bon, ça c'est vraiment des histoires très communes. Violence conjugale, ça existe beaucoup, ça existe vraiment beaucoup. Le mari qui veut faire le fanfaron, ça existe beaucoup. Voilà quoi. Je vais me faire une joie de le regarder. Un film à la Hitchcock dans la lignée de Liaison fatale et Calme blanc. Ah, Calme blanc, si c'est de la même. Voilà. Musique de Jerry Goldsmith, ça c'est celui qui a fait Rambo. Voilà. Marcy X. Marcy X avec Damon Wayans, je l'avais vu depuis un certain temps dans les rayons. J'ai vu qu'il bougeait pas. Voilà, 5 pour 2 euros avec Marlon Wayans en DVD. Bon, je sais pas c'est quoi. Mais on est toujours surpris avec Damon Wayans. J'adore Damon Wayans. Le dernier Samaritain. Bulletproof à toute épreuve, toute épreuve, je crois. Hein. À l'épreuve des balles. À l'épreuve des balles que j'en Blu-ray copie. Je le cherche en Blu-ray avec Damon Wayans et Adam Sandler. Peut-être que je vais m'acheter l'import. Hein. Je crois qu'il doit être sur Amazon. Je vais peut-être me l'acheter. Peut-être me l'acheter. Voilà. Marcy X avec Damon Wayans. Voilà. Je vérifie vraiment que les films sont dedans. Parce que dans ce cache converteur, plein de fois, le film n'est pas dans le CD. Et ça arrive une fois, deux fois, ça va. Après trois, quatre fois, cinq fois, je me dis qu'ils font exprès de faire ça, quoi. Voilà. Marcy X. Voilà. Marcy X. Tati Daniel. Alors ça, on m'a beaucoup parlé de ça, Tati Daniel. Tati Daniel, on m'a beaucoup parlé de ça, Tati Daniel. On m'a dit que c'était culte. Bon, je connais pas. Cette Tati Daniel, elle doit être décédée maintenant. Elle doit être décédée. Tati Daniel, elle doit être décédée maintenant. Hein, je sais pas. Film français. Moi, je suis pas amateur de ce genre de film. Mais comme on m'a dit que c'était culte, avec un chef-d'œuvre d'humour noir. Veuve, la Tati Daniel vient de perdre son principal souffre-douleur, Odile, sa gouvernante, secourue par ses charmants neveux, elle fait de leur vie un enfer. Il va bien falloir trouver une solution. Bon, on dirait que c'est une grand-mère qui fout la merde partout, je sais pas, d'après le synopsis, qui fait une incrustatrice, quoi, tout simplement. On va voir si c'est du ah ouais c'est du y a même du DTS, je suis étonné quoi. Ah c'est sorti en 2001. Ah non, moi je pensais que ça datait des années 90 moi. Non, c'est pas 2001 ça. Hein? Hein, 2001. Je vous jure que je pensais que ça pas c'était sorti dans les années 90. Tati Daniel, Tati Daniel, je connais pas. Et pour finir, ben, les trois Belmondo. Malheureusement, le magnifique qui est griffé. Je vais aller le faire restaurer au Happy Cash demain pour 2 euros.
Je vais essayer de le nettoyer. Il est griffé quand même. C'est le seul qui est griffé dans la collection. Et ce qui paraît, bon, une petite dédicace à Raph Blu-ray. Raph Blu-ray dit que c'est son meilleur film. Voilà. Demain, je vais aller le faire restaurer dans la policheuse. Voilà. Le magnifique. Mais bon, c'est une meilleure édition que la version pourrie que j'ai, Master Haute Définition. Je vais le refaire restaurer demain. Il va me faire partir les griffes. Il va me le nettoyer. Voilà. Le magnifique. Peut-être qu'il va même le faire gratuit. Je ne vais même pas payer, quoi. C'est mon copain. Voilà. Le magnifique. Le magnifique avec Jean-Paul Belmondo. Voilà. Voilà. Bah, moi, j'aurais aimé les avoir en boîtier comme ça, les boîtiers normaux. Mais bon, slim cartonné, ça sneak vite, quoi. Week-end à Zuz. Zuikout. Week-end à Zuikout. Film qui se passe pendant les années 40, à mon avis. C'est la guerre mondiale, je crois. Sur les plages de Dunkerque, en entendant l'Angleterre, ta 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 ta. Voilà, c'est peut-être un genre de soldat Ryan, hein, je sais pas, je sais pas, je connais pas. Je connais pas, remasterisé. Vraiment, les Belmondo, ils sont remasterisés, ils sont impeccables. Et pour finir, celui que je vous avais dit hier, Yannickel, le solitaire, avec le bon visuel que j'adore, la belle jaquette que j'adore, ben l'autre, je vais le foutre sur le bon coin. Voilà, le solitaire, pour moi, c'est le meilleur de Belmondo. C'est pour moi, après, chacun ses goûts. Moi, pour moi, c'est le meilleur de Belmondo. Il n'y a pas mieux que ce film. C'est le meilleur. C'est le meilleur pour moi, à mes yeux. Après, le marginal, il y a quelqu'un qui m'a parlé du marginal. J'ai pas Dark Magie, Magiscape, ou je sais pas quoi. Il m'a dit qu'il aimait bien ça. Mais bon, bah, moi, le marginal, j'aime pas trop. Parce que déjà, c'est, je sais pas, on dirait un film dans le milieu de l'homosexualité. Tchéky Cario, vraiment, ouais. Tchéky Cario, il joue un rôle marquant dedans. Hein. Je crois que c'est l'un de ses meilleurs. C'est les rôles les plus. Il commençait avec ce film-là, quoi. Le solitaire, voilà, j'en ai fini. Voilà, j'en ai pas mal des Belmondo. Maintenant, j'ai acheté toute la collection et je leur ai même dit hier. Je vous ai pris tous les Belmondo. Elle a dit, ah, vous avez trouvé votre compte. Je dis, ouais, j'ai pris tous les Belmondo. Après, restait le marginal, le professionnel. Ça, je les avais tous. Hein. Je vais pas prendre des films que j'ai. Bon, après, il me faut 100 000 dollars au soleil, il me le faut. Un truc comme ça, là, 100 000 dollars au soleil. Voilà, ben ouais, ça va, je suis content. Bon, il y a des films que je vais peut-être mettre sur le bon coin. Et on verra, quoi, on verra par rapport aux films que j'aime. Il y a beaucoup de films que je vais bazarder sur le bon coin parce que j'ai trop de films en DVD. Et voilà, quoi, en DVD, voilà, j'en ai beaucoup. Il y a raison, Raph Blu-ray, pourquoi tout le monde mélange les collections des DVD avec les Blu-ray? Parce que les DVD, ça coûte que dalle. C'est pour ça. Et t'en as plein, t'en as à l'appel, comme il disait Raph Blu-ray. C'est bien une édition. C'est bien une édition. Limité que j'ai à faire, il doit coûter bonbon celui-là, à mon avis. Il doit coûter peut-être bonbon. Hein. Voilà. Pour 3 euros, c'est vraiment bon. J'adore la bouquinerie du Sard et je continue à le dire. Voilà. Voilà. C'est fini, les amis. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Au total, en 3-4 jours, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Tout ça pour vous dire que je peux m'acheter ce que je veux. Et que c'est pas parce que je suis au RSA que je ne peux pas m'acheter ce que je veux. Voilà. Voilà. J'ai fait des économies dans ma vie. Voilà. J'ai mon RSA, mais j'ai aussi mon découvert. Voilà. Pendant plusieurs années, j'ai eu recours à utiliser mon découvert. Je l'utilise encore. Voilà. Voilà. Allez, salut à tous. Merci de m'avoir suivi. Mais attention, moi, mon découvert, je l'assume. Mon découvert, je l'assume. Je reste pas. Je peux pas vivre. Si je sais que je peux pas assumer avec le découvert, je l'utilise pas. Voilà. Si vous savez que vous pouvez pas assumer, ne l'utilisez pas. C'est aussi simple que ça. Salut à tous. Salut à tous.